Monsieur Dame Tangle Cookie. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149$. Ne tardez plus, visitez ggLink.com. Ne tardez plus, visitez ggLink.com. Monsieur Dan, bonjour. Je suis ensemble avec Héritier Ngache. Chers compatriotes, c'est pour vous faire des révélations graves, pour ne pas dire troublantes. Oui, restez avec nous. Jusqu'à la fin, n'occupez pas ma titre pour comprendre ma caméra. C'est trop fort. Héritier, bonjour. Bonjour. Bonne tata. Tozobunda. Tozana morale au zénith, Tozobunda et Tumba. En ce moment, les Sénégalais tous ont besoin de son attitude de guerre. Donc, Togola l'a été tout à bouer. Mais surtout, attitude de guerre. On a mis un peu de bande sur le plan militaire, sécuritaire. Ah, t'as surtout ton zongi bon. Je préfère ton bande sur le plan économique. Oui. Économique, pourquoi? Puisque le gouvernement de la RDC vient de rendre public à quoi signé Dan Gettler, le richissime Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Oyebini na makambouane. D'abord, je note que je salue. L'engagement, il y a République de quartier du Congo, parce que le dossier d'Anne Gettler, c'est là qui goulot d'étranglement. C'est là qui est le voilà, Kingo, le régime Nabisso. Je le dis parce que moi, je Félix, je suis défenseur de la République, des institutions de la République. Ce qui est le Cambodge, c'est la maman B, ce qui est le Cambodge, c'est la maman Libunga, c'est la Kolobayango. Il y a des gens, par exemple, je suis en train de me qui se permettent de faire ça, je suis en coucou, je suis en mais bangote, on verra le chef de l'État. S'agissant de Makambo, il y a Dan Gettler, la communauté internationale, les ONG, je ne parle pas de la nébuleuse communauté internationale, je parle de la communauté épris de justice et puis de la épris d'équité. Parce que comme on a été les contrat signé entre Dan Gettler et Zaki, une sorte de bouclier criminel, un bouclier économique pour que les Congolais aient davantage de Dan Gettler. Dan Gettler, parce qu'on sait que Joseph Kabila n'a pas pillé les Congos seul. Joseph Kabila a pillé les Congos, lui n'était qu'un acteur politique, bien qu'à Zalaka comme les sang, parce que Kabila était un commerçant aussi. Alandi Papa Naepe Mouze qui est aussi un commerçant en fait. Et donc, le commerçant, il a signé des pactes et des contrats avec d'autres commerçants criminels. Ces commerçants, peut-être en venant au Congo, ils ont la criminalité, ils ont la mafiété. Mais ils ont l'environnement et permettre à lui, dans cet environnement, et c'est un peu comme un criminel et tout est vrai. Ou soit, c'était des gens qui étaient aussi, et même des criminels, qui étaient venus à Tali, les Congo pour attirer l'attention. Vous savez, quand vous êtes. Il ne manque au mur, au quoi tirer, bah, attention et belé. Et tant qu'on tirer, bah, attention et belé, on tire pas attention et escroc. C'est comme les filles qui exposent leur corps. À quoi la télamba ma bé, n'a quoi la télamba ma bé, au quoi qu'on batoupe à ma lame ou bagose à la paix à tirer. Pour dire, vous avez une très bonne présentation, et donc du coup, à vous même en dire ma lame. Mais bah, tintin pe bayaka, et belé. Trop de tintin, surtout la tintin bayaka. Oui. Et le Congo, n'a ni son zamba pesaye, et attirera plus ma tintin et belé, et bah, escroc en gouba d'un koya par centaines chaque jour, bah, koya kaba repuisé, n'a Kabila. On cite que. On cite que Joseph Kabila, mais il faut citer aussi des criminels économiques qui viennent parce que, regardons, comment moi c'est qui toko, et qu'on est dans l'anzela, ma forme, pay up, ma escrope, ma yake, belé, ma koya, a voyana les solo à ma lamo, n'a pas la yon, n'a pas sa, mais c'était Kodiongo. Et ma Kodiongo et belé, ma yaka, mais malheureusement, ils avaient trouvé aussi les Congos
géré par des criminels et Yango Basala Bakop ensemble. Et Dan Gettler en fait partie de Bakodiongo Bayakawana, ou Basala Kop na Joseph Kabila. Maintenant, là, on exerçait la pression. Les zones GD, il y a Malamou, pas des zones GD à Simandakou. Les zones GD à Malamou, Bazagi n'a besoin de Koyeba, Lissolo Nini, Congo a signé Dan Gettler. Dan Gettler, comme un acteur économique, n'a pas cédé ses blocs pétroliers Kakaboye. Asali Yango, après avoir beaucoup résisté, Amoni était celui qui a fondé Ninaye. Donc, il y a un procès. Et vous allez obligé de condamner la civile. Ce va condamner civilement. Et vous allez dommage et intérêt. Parce que Azoma bloc pétrolier n'a pas besoin de bloquer Yango. Asali la Yango. Tant nous, que ces blocs n'ont pas été exploités, manque à gagner Yango. Tout le monde qui a évalué Yango, c'était des milliards et des milliards. Tant que Dali, elle a dit, la place n'a qu'un procès, mieux vaut tout ça là un arrangement. Parce qu'il y a des gens qui ont la cour d'arbitrage de Paris. Arrangement salami. Déjà, Dan Gettler a réussi une chose. Il a réussi dans ses négociations d'écarter les ministres des hydrocarbures. Pas trop accepté. C'est la vérité. Les négociations, les négociations, non. Et Salami sans le ministre des hydrocarbures. Alors que lui, il est patron du secteur. Voilà. Parce que Dan Gettler s'est interposé à s'imposer à l'ingaki Didier Boudimbo. Parce qu'il voyait Didier Boudimbo un homme correct. Un homme rigoureux. Il y a le cas de la lingue battue. Niamou, à mon avis, l'idée Boudimbo a été mal à l'aise. Dans ma révélation dans Salaka à l'époque, même ça, il a tenté aussi de piéger l'idée Boudimbo, mais c'est une baraté. Et dans ces négociations, l'idée Boudimbo, ministre et à secteur, ministre sectoriel, chef et à département, à la négociation de Salami, a été en train de faire un gars, le cas de la Motonios. Donc, problème de Jézali. Deuxième des choses, ce que dans le lobby Lokuta, Bandeko Yadide Boudimbo, son cabinet, ou Batumusso, ce n'est pas contredire, mais il y a un langage qui fait contraire au collègue Sagé Didier Boudimbo à participer à la négociation entre les gouvernements Nadan Gettler. Deuxième des choses, les gouvernements de la République démocratique du Congo, on a salué, merci Nadan Gettler publié, et qu'on a que ça souci à transparence au Mokondjamboka Kolinga. Parce qu'on a bradé les richesses de notre pays, on a bradé les ressources de notre pays à cause de la Mouibi, à cause de la corruption. Corruption, Mouninga Naya Liboso, absence de transparence. Opacité des camarades de la corruption. Et si quand nous sommes au Mouibi, nous avons dit que 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 nous le gouvernement a mis du temps, nous on a mis de la pression, mais nous sommes tous au Mouibi, nous avons dit que maintenant on a publié. Les contrats, la CPLI, esprit, orthodoxie, n'a quoi sénir, gestion, il va rester sous un. Mais si comme encore, moi, Koko Seyzali, c'est l'inga passé. Et si quand il y a Koko Sekoti. Koko Sekoti, les gouvernements de la République demandent aux États-Unis d'Amérique, balongo la sanction sur Dan Gettler. Gouvernement de la République a commis avocat à Dan Gettler, Tony. Pourquoi a-t-il position, Anne? A eu position parce que je suis certain, connaissant le fonctionnement de Dan Gettler, l'arrêt du Magui. A corrompre le gouvernement? On a corrompu certains membres. Il y a gouvernement? Absolument. Est-ce que ce n'est pas parce que Dan Gettler a coopéré avec le gouvernement? Non, Papa Nangaï. Vous avez coopéré. Dan Gettler est un opérateur économique. Le gouvernement est une administration politique. Pourquoi ils ont un pouvoir politique? Tant qu'on va négocier, il y a Dan Gettler qui a un carré, un bloc pétrolier. Tant qu'on a un bloc pétrolier, il y a un gouvernement. Tinanini, le gouvernement de la République, a se constitué l'avocat de Dan Gettler pour demander aux États-Unis d'Amérique. En fait, la réalité, c'est quoi? Dan Gettler voulait à tout prix que Zanana Moutoumoro qui pèse davantage pour amener les Américains à la sanction qui pesait sur lui. Il a tenté avec des ONGD à l'Okuta, l'Okuta qui va créer Katongo. Il dit pourquoi? C'est quelles ONGD? Bakosa la déclaration, on va continuer dans la trésorerie et Amérique pour dire que Norden Gettler c'est un homme clean, Azama Lamu, Bissou va congoler ton Sengi Balongolaï. Et Simbité. Maintenant, là, quand on est Simbité, il faut maintenant prendre les responsables de l'État. Donc, Bango Bakoloba, et qu'on pèse à moi envergure, c'est comme ça qu'il a réussi. Apprendre à acheter quelques gens et ces gens-là ont fait un communiqué comme quoi Bagosenga. Argument va développer dans bateau Balobi Ngoza Lokuta. Balobi non, comme ces blocs pétroliers, Ezali et Dan Gettler, et que les sanctions pèsent sur Dan Gettler, moyen Bango l'État a développé Yango Ezalité parce que les sanctions ne sont pas pesées. C'est faux. Pourquoi? Les blocs pétroliers,
et là qui est Dan Gettler, il y a une sanction qui va s'appliquer sur ces blocs pétroliers. Du moment où ces blocs pétroliers changent de main, change de propriété, n'est-ce pas sanction américaine que Rolanda. C'est une année, n'est-ce pas censé. Les biens appartenant à Dan Gettler. C'est comme ça que ces sanctions s'appliquaient sur ces biens appartenant à Dan Gettler. Non, sont des propriétés. Cette propriété n'appartient plus à Dan Gettler, elle appartient désormais à l'État congolais. Et donc, de ce point de vue, les sanctions américaines ne s'appliqueront plus sur les propriétés qui n'appartiennent plus à Dan Gettler. Il n'en est plus le détenteur. Donc, argument, on a un argument qui est la réalité, c'est qu'on a voulu utiliser des gens au niveau politique pour amener les États-Unis d'Amérique à revoir leur position sur Dan Gettler. Dan Gettler, je dis à ces gens-là, Dan Gettler n'a jamais été clean. Vous voyez Kabila, les lobes qui ont été mais vous voyez Kabila, ça la coupe peine à battre. Il y a des gens qui ont profité. Il y a des gens aussi qui ont entretenu le système où il y a hold-up, il y a un minerai dans le. Et Dan Gettler a fait partie. Ceux qui ont été misés maintenant là, il y a un pactisé, il y a un mettre dans la coupe. Soyez rassurés qu'il va vous traîner dans la boue. Quand il va vous traîner dans la boue, lui partira. Et c'est vous, les Congolais, qui avez le rabino en face. Okay? Vous avez été des inconscients, vous avez bradé vos minerais comme Kabila l'a fait aussi à son temps. Voilà un dossier Dan Gettler. Voilà un dossier, Nabi Missia. Ce gouvernement peut arriver un jour et à regretter la décision à lui. Un jour, ça peut arriver. Parce que Makamine Soye Salami, sur fond, il y a Soye Salami de manière clinité. Copé Salami. Parce que. Les mensonges ne durent pas pour toujours. Bien sûr. Un jour, les mensonges écoutent comme dans le château de cartes. Écoutez, ils ont un et quand on s'est construit, et municipé apparence, c'est Gitoko. Les gens aussi faibles d'esprit, ils ont embrassé. Mais le jour où ils ont couru, ils ont compris ce qu'on vérité, que, ah, en réalité, il n'y avait rien ici. Ah, donc c'était un montage de toutes pièces. Je vais sur la c'était du mensonge. Nous, connaissant le modus operandi des gens, de ces gens-là, connaissant comme ils sont, nature là-bas. Parce que Félix ne changera pas la nature de Dan Gettler. C'est les institutions de la République et la rigueur. Nous devons imposer discipline. Vous voulez faire les affaires avec nous, faites-les dans manière où ils allient, propre, correcte. Les leurs sont kabilaté. Lui viendra avec les mêmes pratiques. Il va tenter d'avoir autour du chef de l'État des gens où on va vous soutenir. Vous en avez besoin, Yako. C'est incorporé dans le nouveau système, dans la nouvelle moule. C'est ça la tactique qui est maintenue. Ça veut dire quoi? La coupe est sortie d'Agissa Yamouki, bah Congolais, bah Yibia. Est-ce que vous savez que quand on nomme même un administrateur des territoires, bah Miyibio Akala, bah vous voyez ça y est, enveloppe pour vous féliciter. Oui, Nabi. Oui, pour vous féliciter, Nini. Yaya, au côté de la coupe, Nabiso, place Biso aux Alagues. Nengo yé, Biso moral, Nabiso aux Araboye. Bah vous tirez dette morale. Bah yebani, de telle enseigne que tant que vous êtes à la Djema, lui va se souvenir de ah, c'est celui-là qui était venu avec l'enveloppe l'autre fois. C'est-à-dire que les criminels qu'on change d'administration, Moussa Nabongo Zalara, comment percer la nouvelle administration? Et pour percer la nouvelle administration, il regarde, elle est constituée de qui? Qui joue un rôle important dans la 4e administration à Sikao? C'est comme ça. Les criminels au Bazarana Kabila, Bazotala, Nani Azapemina Félix, qui joue tel rôle? Nan Félix Ayokaka, tel Azalara tel. Et ils utilisent ces gens-là, justement, pour faire base de décision en faveur de Nabango. Et c'est comme ça que les choses passent. Et puis, ils sont en train de dénoncer Yango. C'est parce qu'on connaît, pas que ça la rompe, mais Nan Félix, mais parce qu'on connaît les modus operandi de tous les criminels économiques. Ils n'abandonnent pas leur appétit de réaliser, d'engranger des bénéfices, même de manière malicieuse, même de manière Yaolokuta. Chaque changement, Bango Basalaranini, de manière intelligente, s'adaptera toujours. Bamoni Bosa très rigoureux, calmer, stopper. Bamoni Bosa Nabino, lesquels, il regarde à travers qui? Parce que dans le système, il y a toujours des gens qui ouvrent la porte pour affaiblir le système. Ne pensez pas que l'entourage du chef de l'État, il y a que des bons, il y a des mauvais aussi. Il faut que les mauvais soient là. Quand on sait que dans le gouvernement, il y a que des bons. Où il n'y a que des saints, il y a aussi des criminels. Hein? Ne pensez pas au Sénat, il n'y a que des bons, il y a aussi des mauvais. De ceux-là qui ouvrent la porte. Non, 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 balier-moi un tel. Mais pour balier, il fallait balier qui a famille, il va fermer la porte. Dans tout système, il y a des gens qui ouvrent la porte pour affaiblir, pour maintenir les antivaleurs ou maintenir
tout ce que le système eux combattre. Mais il y a des gens, résistants. Ils sont résistants face au changement. Et ces gens-là, ces acteurs du changement, ils sont dans les systèmes, ils sont avec les chefs de l'État, ils sont partout, partout, ils sont dans nos familles. Des gens qui ne veulent pas que les choses, ce sont les acteurs du statu quo. Ils ne veulent pas que la situation avance, évolue, sur place, parce que sur place, ils vont profiter. Et on identifie, les criminels identifient, nani bazali prédisposé pour faire les statu quo. Tel conseiller, Moutala, il est là, fort. Déjà, tu es déjà en Belgique, à Zaramouta, Djema. On regarde, tel. Oh, tel, yété, faux tête. Viewana, faux tête. À son raté. Yéma, on va l'isoler. On va qui il a. Ça cool. Ça cool, Moujibi. Ça cool. Tu as tout dit? Ouais, je pense qu'on a dit les choses. Merci beaucoup. Alors, le gouvernement congolais ne peut pas se faire passer pour un avocat de diable? Pas du tout. Non, pas du tout. Le gouvernement congolais, c'est une erreur. Parce que tant on va communiquer, il fallait se limiter seulement en disant que tu as récupéré l'actif Nabiso, tu as développé en gros. Et donc, tout ce qui est lié à notre actif, s'il y avait des sanctions qui concernaient l'homme d'affaires Dan Gettler, désormais, ces actifs, ces blocs ont changé de maître. Et tu as la société. Et donc, la sanction a été. Et souka pana yemoko et yana ou yabisoté. Mais lorsqu'il se décide de quitter ce terrain pour demander aux États-Unis, bah, pète la lobe. Ah, ça c'est clair, ça sort aussi. Il y a une question, mais passe là, dans mon tour. C'est clair. Bah, sanction après ça dans Gettler, à Salakini. Mouyibi. Aïba qui wapi. Bradage et minerai na Congo. Kaka na Congo. Et bon, bon, n'est pas dans Congo. C'est un homme qui n'est pas clean. Moyibi yaba mbo yaba nini bradage wa minere de ce mo salama awa yaba nini o salama na entre bac moko yinda kama kasia c'était quoi on avait interdit à utiliser ma devise na bangote c'est une manière de l'asphyxier bien sûr parce que je sais que monnaie na bango monnaie échange monnaie d'affaires c'est le dollar quand on te demande de ne pas toucher bon na bango c'est-à-dire que bako bomo économique parce que ba tunyo so bako sala affaire na yo bako sala transaction dollar. Et donc, tu n'as pas la possibilité d'agir et tu n'as pas la possibilité de recevoir du point de vue ni Bakbomio. Mais Nadine Gettler avait contourné ces sanctions en utilisant, en ouvrant des comptes offshore, en ouvrant des comptes fantômes. C'est-à-dire qu'à vous, vous avez été hérité de Gachi, à Tininga, à FN Bank, à Fongoli, compte à Kombonanga. Mais vous avez été hérité de vous avez été $50 à Vinanga. Mais à Fongoli, compte, il y a 7-8 milliards de dollars. Au salarié. Il prend cet argent. Oh, et ça compte, mais tu sais qu'il y a Combo. Combo, moko y a Lokuta. Vous appelez Combo, il y a Lokuta qui n'existe pas. Et Bango, il y a ponctionné contre toi. Dan Gettler, il y a un Zimbong. 7 millions en liquide. Il y a un cop. Ouais, ça, la stade. Tu as un team, il y a un cop, il y a une banque, il y a frappe avec la banque. En réalité, on peut aussi vouloir. Mais Nyoso, c'est aussi pour nous protéger d'une manière ou d'une autre. Parce que les bradages de nos minéraux, Moyibi yeba minéraux na besoin d'engue Kabila Salengo na clic na yoana et ça que le Congo n'ait pas les moyens suffisamment pour nako appliquer politique na en matière de santé, politique na ambition na en matière d'agriculture, ambition na en matière de transport parce qu'on n'a pas de moyens et l'argent on en avait. Mais cet argent, malheureusement, n'est jamais entré ici. Ils ont eu un approche de Mme Gettler. Il y a un moyen, un système qui est opaque dans la vente. Je vais vous donner un exemple simple. Ils pouvaient s'accepter. Ils ont eu un gouvernement congolais. Ils ont sous-évalué le prix des produits, des actifs miniers. Le bloc pétrolier, ils ont eu $500. Ils ont eu 500 francs congolais. Ils ont eu un or, ils ont eu réalité, prix. Il y a bloc wana et zali amsusu autant allez Moyibi wana ou asombi bloc pétrolier et vous a par exemple Dan Gettler il va verser l'argent exact qui revenait dans bloc pétrolier na baninga na au bazana gouvernement après ça va ngo au lieu de boté ka ngo na 500 et ça cop bondimi boté ka ngo na 500 francs congolais moi je vais vous ajouter $200 mais $200 ne va pas passer dans le circuit normal et vous allez tracer na voyez la bino na mabo. Et il utilise les banques. Alors, il y a des banques, comme on ne regarde pas Joseph Kabila. Ou ailleurs, il y a un pourcentage. Il n'y a pas de ministre à mine.
Avec le secrétaire général d'Ami. Donc, au moins, et ça arrive, hein. Quand tu vends un produit, n'a pris au Yamangondo, et alors, on me donne un téléphone. D'être un déposant la poteau. Imagine, je un téléphone, et qu'il y a un téléphone, on a pris dans les 200 dollars. Un jour, à Tuninga, ah, hérité, téléphone, à Tinder le Kéwap. Mais non, ce téléphone, je l'ai vendu. À Tuninga, il prit. Peut-être qu'il y a combien? Nabi n'a pas 1000 francs. On me dit, hé, hey, papa, Nini, 1000 francs, Nabi, 8000 francs. Alors, tu nous as dit, ok, tu nous. Téléphone ou un an, il y a 6 ans, il y a 200 dollars. Il y a 1000 francs pour Annie. Or, en réalité, il y a un téléphone 200 ou 180, mais il y a un prix normal pour la flouer, il y a un prix normal. Et c'est ce qu'il faisait. Il y a un minier, il y a une autorité gouvernementale, et c'est ce qui a ramené ces pays dans l'abîme. Mbongo, il fallait développer Mbongo. Mbongo, il n'y a pas Kabila, il n'y a pas de télé, et puis il y a un prix normal. Merci. Vous avez compris? Hein? Ma Kamounen et les Cannes, Edem TV officiel, nous ne cesserons jamais de vous informer. Ça, c'était la première thématique. La deuxième, Kagame massacre en RDC, enrôle de force également nos jeunes dans M23 et Akenabango na Rwanda. Quel défi ou quel. On les a défiés, Bissot. Défi, on les a moins le aux messages de guerre. Ouais, voilà. Non seulement Saliwana, à lui qui se soit infiltré, Bissot, le Soussou, dans Nairobi, et le technicien congolais, Bissot, va détecter, va bousser, va nous soigner. N'est-ce pas? Élément, où il y a ce qu'à tomber, il y a 4 ans, où il y a ce qu'à massacrer Kouna, a lancé Bissot défi, ton message de guerre, en même temps, tant qu'il y a infiltré, Bissot Kouna, dans Nairobi. Il vise quoi? Voilà. Affaire Kagame. Ouais. Il a tué Nabutu il y a Salami jeudi. D'abord, un, il a attaqué ma position Nabissomi Bali. Il a attaqué position il y a 3140 régiments et infanterie. Bongo Anezana Routchourou. Et d'après les informations, Paul Kagame a renforcé. Armée Naïe, M23, c'est son armée, a renforcé Bango dans matériel de guerre, mais aussi en personnel. Ça, c'est la première information. Deuxième information, c'est qu'il a massacré ce jour-là 109 Congolais, bah, civils. Nabutu a le 29. A Bomi Bango, raison est simple. Ils ont Kishishwe. Kishishwe, ils allaient dans le groupement, je crois, battu. Parce que place Wana. Biso de Bomara, un général rwandais, n'a 5 colonels. N'a quand on a pour venger, mon officier n'a supérieur et généraux, a sali carnage, cimetière, humain. Bomi batelouan abattoir, 109 bakoufi jouan. Maintenant, on tue les gens, bomi bat congolais ce jour-là. Au lendemain, il y a Mukolo ya souka au bas pesa qui pour l'ultimatum et bah comment va cesser le feu. Je demande au gouverneur de la République. Là je parle comme Congolais. Balongwa à Nairobi. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Les Congolais bah causer là et localisé sous mon côté à Nairobi parce que déjà Nairobi échoué. Échoué. On a pris un cesser le feu, mais ce cesser le feu n'a pas été respecté par Kagame a bomi batou, a bomi ba Congolais. Un jour après, Jouyasouka a cessé le feu. Donc, le cessez-le-feu n'a eu aucun effet sur lui. Non, le cessez-le-feu était sans effet pour Paul Kagame. Maintenant, dans le contexte, qu'est-ce qu'il nous reste encore de ces pourparlers du Nairobi? Pire, Paul Kagame a sali infiltrer les négociations en mettant ma puce dans ma matériel et traduction. C'est-à-dire que, quand il y a négociation, on parle l'anglais, on parle le français, et donc, il y a une langue de travail.
Et comme il y a langue de travail et qui va différent, parce qu'il y a aussi des groupes rebelles, Bazawana, il y a des gens qui ne connaissent ni l'anglais ni le français. Il faut Swahili. Et donc, il faut maintenant qu'il y ait un équipement de traduction pour permettre aux participants de nous faire. Il y a la société civile, il y a la présidence, il y a les groupes rebelles. Il y a ceux qui parlent Swahili et ceux qui parlent. Et il y avait des traducteurs. Alors, quand il y a des traducteurs, il y a des puces. Puisque il continue à m'information il comme continue et le matériel qu'ils ont utilisé l'équipement bah utilisé c'est un matériel d'un état qui n'est pas dans les conflits là-bas pour parler donc ça traduit la planification il y a EAC il y a Kolinga Bongo qu'ont utilisé Forum Wana, comme un prétexte, c'est tout simplement pour rendre Kagame fort. Parce que du moment où vous avez une décision, Kagame a dit. Donc c'est Kagame qui prend les décisions dans le cadre de l'EAC. Et si je demande l'environnement Wana, pourquoi est-ce que le gouvernement de la République va continuer comme ça? Moi j'aurais aimé, je sais, j'ai salué un moment, les délégués Nabisso ont demandé Bakata. On a suspendu et on a remplacé. Les équipements. Je salue la vigilance. Oui. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi devons-nous continuer à être une nation qui réagit? Pourquoi nous n'anticipons pas? Ainsi, je demande au chef de l'État, je demande au gouvernement de la République d'investir dans l'intelligence artificielle, d'investir dans l'intelligence stratégique. Investir dans les renseignements. Pourquoi seulement Paul Kagame peut nous infiltrer et pourquoi nous on ne peut pas nous infiltrer aussi? Pourquoi on ne peut pas créer des cellules dormantes au Rwanda? Pourquoi on ne peut pas créer top dans l'Union africaine? C'est-à-dire que ça va infiltrer la République du Congo, mais dans l'Union africaine. Pourquoi on ne peut pas voir nos infiltrés dans l'EAC? Un pays comme le nôtre, Ozali, la risée du monde. Et Sengeli Ozala Yomoko. Très risé. Très risé pour le Kanyok. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo doit mettre de gros moyens dans le domaine service secret, renseignement, espionnage, contre-espionnage. Tout au fond de la bataille. Parce que ça qui toko. Mais il faut avoir la capacité de faire un pour que tu aies un peu de temps. Qu'est-ce qu'il planifie pour toi, contre toi? Le monde bazana chaque fois, le monde bazana plan na bango. Ba kouta na ka secrètement, ba évalue à kayango. To komi na niveau nini par rapport à taux d'exécution balkanisation. Ba sala ba atelier où ils évaluent un pourcentage y a balkanisation. Mais pourquoi nous on n'est pas au courant de ça? Pourquoi on les infiltre pas? Ainsi je demande maintenant pouvoir échanger, ce n'est plus Kabila qui était l'air employé. Mais maintenant, c'est Félix. Je pense qu'il est temps, tout comme une nation risée, comme un peu l'Israël. L'Israël, sur le renseignement, il ne plaisante pas. Ils savent qu'ils sont en face de la Palestinien. Guerre, il y a Libéla, Libéla. Ah oui, il y a Razo Bunda, Libéla. Guerre, Libéla, Libéla. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé les systèmes de renseignement et Makassi dans le monde avec les Mossad. Pourquoi on ne peut pas voir aussi un système de renseignement solide à même il faut infiltrer l'organisation que ce soit les organismes internationaux que ce soit des organismes sous-régionaux pour savoir ni ni pas qu'on là ni ni pas qu'on préparer ni ni pas qu'on mijoter contre la République démocratique du Congo n'est-ce pas comme matériel c'était une réaction nous avons réagi sur l'espionnage qu'est-ce qui a manqué bisoufait toi espionner bon. Qu'est-ce qui nous a manqué au moment où Bako Sala ba Miluluana Bisope tous en bas agent double na biso oh Bako zo ba information. Ainsi moi je demande il faut construire des écoles en République démocratique du Congo, des écoles secrètes de renseignement, des écoles où Bako préparer ba agent double, ba agent secret capable ya kotine na bango partout pour nous prévenir, nous permettre tous à là, tous se préserver contre toutes les attaques
d'où qu'elle peut, elle peut venir. Mais sur Tozaga, on ne développe pas davantage sur les services secrets. Nous sommes une nation qui n'a pas des yeux et qui n'a pas des oreilles. C'est ce qui est malheureux. Très bien. Ah oui. Le but tout cas pour parler na M23 na ba groupe rebelle ba nyonso bazaku na. Qu'on quitte cette table de négociation, ça ne sert à rien parce que résolution malonga tozaki zaki c'est ce le fait. Tosali c'est ce le fait. Moi j'avais dit qu'il va respecter té et va respecter té. Est-ce qu'on peut continuer à négocier de bonne foi avec des criminels et des assassins? Ça ne sert à rien, vous perdez. Leur nature c'est tuer. C'est piller, c'est violer. Et vous venez de bonne foi avec vos chapelets de monétisation, ça ne marche pas. Donc il faut les affronter. Il faut les affronter. Il faut les affronter. Il faut les affronter. Les autres, n'a de Sabinoni. Et les dialogues, Toko Kende, ils ont un moment de répit pour permettre à Paul Kagame, Batou Batine la Gemindouki, Batine de la E, Batou Bapé Sakaye, Mbongo, Batine de la E, Mbongo. Maintenant, la Paul Kagame, a zongeli comme Mabisso, a zongeli dans le théâtre des opérations. Est-ce que Kagame entend encore Makambouya dialogue? Il n'est plus intéressé à Makambouya dialogue. Il est maintenant préoccupé dans Rosana Bitumba. Donc il a gagné du temps et le temps est simbi, mais là, a zongeli comme Mabisso. Ok. Madame Ming, Tolandi, est-ce que vous comprenez Makambouya dialogue dans le Congo? Congo Makambouya dialogue dans la moto. Congo Makambouya dialogue dans la moto. Kagame veut se venger. Soit disant qu'il va commander, bah, bon, déjà général, là, 5 colonels, là, il faut payer ça, là. M23 de l'autre côté, il faut enrôler, puis là, il faut RDC. Qu'est-ce que je dis? Il faut enrôler, bah, tout. Pour, bah, ça, bah, tu es belé. Là, on a dit qu'il y a récemment que France a signé coopération militaire, là, Kagame. C'est que le coup, là, bah, Mindouki, Kagame a vu Mindouki est belé. Il faut appeler ça M23, M23, il faut abandonner la RDC. C'est simple. Le Congo, il faut bien se retrouver les mains. La communauté internationale a assez apprécié le Congo à cause de minerais tous en Ayango. Biso toko tika bangote toko lembapete et sur toko kobakaka. La même communauté internationale soutient Denis Mukwege. Paraît-il qu'il a commis codé là. Azoli batte, azoli la toa sepele. Oui, qui m'a demandé Denis Mukwege. Denis Mukwege a l'éli. A l'éli. Bah tu vas bien gangaï, yo keba. Bah tu vas bien gangaï, bah gangaï nanga. Keba. On a pris Nobel et AP. Azamuninga na yote, azamuninga tata na yote. Yo kono kolo bela pris nanga mité. Mon père vient faire quoi ici? Na tuna ki Denis Mukwege. Aïe, mon arrangé ni ne soit qui bateau va financer Rwanda. Car à bangou mon père va payer ça pour réparer ma maman. C'est compliqué. Compliqué. Mais les lois ils m'ont pas outolé là. Aïe, qu'on se rende compte que aïe, tu découvres que Parlement européen, l'Union européenne ne paye ça RDF. Mbongo moko ma kasia. C'est la montagne tanglo. Ma pesa bango 20 millions de dollars. A finance bango chaque année, chaque mois. Tu crois chaque mois? Oui. Ma pesa bango chaque fois des blocs, ma pesa bango 20 millions. On est officiellement, mais o ya kuku to éviter. So ami tuni, ni Union européenne et regroupé ça un groupe o et bomi ba maman et violé ba maman o ya réparera et bomi ba congolais et ça les va déplacer terme et ça les va crise humanitaire. Il y a ma casse, ma violation des droits de l'homme. Est-ce que Denis Mukwege comprend que Nazan a raison? Moussa la salle est fantastique. Mais il y a un bon oyo, il y a créer insécurité. C'est-à-dire, pour soulager la conscience, il y a un bon salaire. Il y a un bon violé, après, il y a Denis Mukwege réparé. Vous comprenez que réparation à salaire, il y a maître à réparation, il y a violé à maman, et ça va être un peu de bon. Il y a un bon salaire. Il y a un bon salaire. Il y a un bon salaire. C'est compliqué. Tu crois que l'homme soit. Ah, vous en avez l'homme au sauce. Il y a mon pied. Mon pied, caca. Les amis, il faut que vous partagez avec les Congolais. Il y a Papa Nabisso, a autre chose à la révélation, qui a parlé avec Mobutu. Oh, testament à Mobutu. Jean-Pierre Mumba et Tumba. Enfin, le testament de Mobutu est sorti. Jean-Pierre Mumba et Tumba, Azalaki, membre JMPR, Jeunesse et Mouvement Populaire de la Révolution de Belgique. Avant Zalabon, ah oui, Zagigwana, mais il y a un peu de Mobutu. Il y a opposant comme pas possible. Parmi les premiers opposants de Mobutu. Il y a s'est reconstruit dans Mobutu vers les années 1980. Il y a un peu de temps pire. Mobutu a bien ici le 15 mai 1997. Mobutu a Kima le 17 mai. C'est-à-dire deux jours avant Mobutu a Kima, il y a. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient à quatre. A Bengisaka, Louis Sokoni,
Azakana Louis Sokone. Louis Sokone est le secrétaire particulier à Lumumba. Et puis confident à Lumumba Makasi. Louis Sokone. Et puis, il y a Papa Moussousou, qui lui, le nom m'échappe, il y a secrétaire de la francophonie. Mobutu basololi basololi na dîner pendant au frère Mobutu fatigué déjà au gouvernement là abengi papa Jean Mumba et tomba côté abici il y a un complot qui existe contre Mbokananga Isaïe na kati on atangi batu atangi Margaret Thatcher premier ministre d'Angleterre atangi président des États-Unis président Bill Clinton Atangi François Mitterrand, président de France. Atangi chancelier allemand, Kohl. Aïko Tanga, Baudouin, quoi Baudouin, et la Belgique, la premier ministre. Abiba, ça a un complot contre le Congo. Pour nous, nous avons besoin de mériter à côté. Nous avons besoin de mériter à côté. Nous avons besoin de mériter à côté. Nous avons besoin de richesse à côté. Et pour ça, c'est un laboratoire où ils étudient comment balkaniser le Congo pendant 30 ans. Et à Ebisaye, à quoi regretter? Il y aura un plan de Kabola Congo. Les États-Unis, bon, balinka Nord Kivu, donc Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Bon, États-Unis, bah, yokana bongo. France, après, bah, Britannique, bon, je crois France, bon, balinga qui, non, là, oui, la France, balinga Chaba. Belgique, Malingi, Mainani, Bakongo, Bandundu, na Mainlobe. Donc, il y a eu un peu de vocabulaire. Et maintenant, pour ça, il fallait tuer les Congolais en les remplaçant par les Rwandais, les Nilotiques. Pourquoi? Parce que, bah, il dit que si on laisse les Congolais dans le Bokanabango, et que nous sommes négocier dans le Bokanabango, il faut que Bouma Bango, qu'on remplace na Bango, na Bato, Bazali, ba Kolo, ma Bédete, comme ça, et aussi, Bokozalana, attachement na Mboka na Bango, ils peuvent nous servir comme nous le voulons. Il dit, il connaît qu'il y a un laboratoire qui existe, mais il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en place complaisant. Il y a un homme politique, il y a même Kabila, il y a un homme politique. Mais tu l'as dit, à même y est pour Obomaï. On va les remplacer par des Rwandais, des Nilotiques. Abi les hommes politiques, abi la jeunesse, CIA finance Mbongo Belé pour la cause de l'église pour distraire le peuple. Moi l'église est réveillée, il est commis. L'église c'est comme maman l'église. L'église. Eh, au Mboka église. Premier pays producteur des églises. Bongo. À l'obi la jeunesse va repasser un gros poison pour vous distraire. Va comment va voyou. Bombay, Zododo, Agene, Bouma Mama. Ok. Et donc, c'est clair. Et ça fait mal, hein? Trop mal. Ainsi, à l'Ipsakaye, au Rouloubango après 20 ans, pour notre peuple va se défendre, va compter sur Bango Moko. Maintenant, Mobutu il croyait qu'il serait le seul à vouloir défendre le Congo. Il a raté que Fatih Pagoya. Il avait très mal. Il s'est conjugué lui-même au passé. Il croyait, il savait qu'à part lui, il a raté. Il a raté Félix Pagoya. Tata Mobutu Fana na Okimia, Félix Aya, moi na yo. Aya, moi na yo. C'est que moi na yo na Molimo. Il est patriote. Le roi la Mobutu. C'est que du monde là-bas. Moi, je suis là pour le Congo à signer un accord avec Satan. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous demandons aux Congolais de se réveiller. C'est maintenant ou jamais. Merci. Monsieur, dame, Tangwe Koki. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or.
En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149$. Ne tardez plus, visitez ggLink.com. Ne tardez plus, visitez ggLink.com.